qu'on est en venait de perdre aujourd'hui avec contre faire match plutôt avec Nantes aujourd'hui 2-2. Ouais. Un petit mot sur le match un peu de... Ouais, match, c'était un match qu'on devait gagner. Malheureusement, on prend qu'un point ce soir, mais bon, c'est un point qui va peut-être nous maintenir, donc on perd pas espoir, on va continuer à se battre jusqu'au bout. D'accord. Et au niveau du jeu, c'était un peu difficile d'entrer dans le match, hein. C'est un peu stressant. Ouais, non, côté, hein. Moi je dirais qu'on est plutôt bien rentré. On a eu les occasions dès le début, après on a eu, sur deux occasions, ils ont marqué deux buts, donc le jeu, je pense qu'on l'a maîtrisé dans l'ensemble. Après, c'est dommage de prendre des buts comme ça, après c'est le foot, le deuxième, je crois qu'il y a main. On n'a pas eu trop l'arbitrage pour nous, des fois c'est comme ça le football, maintenant on n'a rien lâché, on est revenu à la fin. Il faut s'appuyer sur ça, sur notre mentalité et rien lâcher jusqu'au bout. Vous y croyez toujours au maintien ? Oui, bien sûr, tant que mathématiquement on peut le faire, Inch'Allah, on va se maintenir. D'accord. Juste un petit mot donc personnel sur ton jeu. Ces derniers temps, tu avais un peu de mal à finir les matchs. Là, tu étais présent jusqu'au bout, jusqu'au dernier but. Non, mais physiquement, je suis de mieux en mieux. C'est vrai qu'on enchaîne les matchs, on s'entraîne beaucoup, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de matchs qu'on a accumulés depuis le début de la saison, donc c'est pas facile. Après, bon, il faut bien récupérer, mais bon, c'est vrai que là, aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé. Jusqu'à la fin, on a tenu, on y allait au bout de l'énergie. Donc maintenant, il faut s'appuyer sur ça. Comme j'ai dit, on a le mental, il faut continuer. Après, sur le plan personnel, ce soir, ça s'est plutôt bien passé. J'ai loupé 2-3 passes quand même, donc il y a des choses à améliorer, mais bon, dans l'ensemble, c'était pas trop mal. Justement, moi, je t'ai vu aujourd'hui jouer donc en milieu défensif. C'est très différent par rapport à ce que tu joues en équipe d'Algérie. On a retenu plutôt sur ton match contre le Maroc que le côté, l'engagement physique. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ton jeu habituel Ouais, mais le poste d'arrière droit, c'est plutôt. Il faut l'aborder autrement. Donc, tactiquement, c'est autre chose. Donc, voilà, je m'adapte aux deux postes parce que, bon, je connais les deux postes. Après, milieu défensif, c'est vrai que j'essaye d'organiser un peu plus le jeu, de distribuer des bons ballons. Donc voilà, c'est un poste totalement différent. Là, je suis en club. Là, quand je suis en sélection nationale, je joue avec des joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. Donc, c'est vrai que je lâche le ballon un peu plus vite. Là, j'essaye de faire jouer. On a une équipe jeune et tout ça. Donc, je prends un peu plus de responsabilité. Enfin, le match contre le Maroc, c'était un match qu'il fallait absolument gagner. Donc, fallait y aller avec l'engagement. C'est différent. C'est quelque chose qui est différent. La sélection et le club, c'est différent. Là, on approche de la fin de saison. On parle un petit peu de toi maintenant un peu partout. On a parlé d'Ajaccio récemment. Est-ce que tu commences à penser à ça ou... Non. J'y pense dans un coin de ma tête, mais le plus important, c'est le maintien avec Nîmes. Après, on verra, on fera les comptes à la fin. Mais là, tant qu'on est en course pour le maintien, je me consacre à mon club. D'accord. Un mot pour le match contre le Maroc ? Pour le moment, comment tu le vois ? Je ne vais pas me prononcer sur le match du Maroc. C'est trop loin. Là, je me concentre sur le maintien de mon club. Le match du Maroc, il a le temps de venir. Inch'Allah, qu'on gagnera, c'est tout ce qui nous compte. Un mot sur Raouf, qui est à côté de nous, donc qui joue avec toi en club depuis un moment. On te connaît depuis combien de temps ? Ça fait combien de temps que vous jouez ensemble ? 3 ans. Ça se passe bien et t'as... Ouais, Raouf, c'est quelqu'un... On profite de son expérience parce que c'est vrai qu'il a connu pas mal de clubs, c'est vrai qu'il a fait pas mal de matchs, c'est vrai qu'il a connu le haut niveau. Même en sélection, il a fait des matchs que personne ne fera. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un, on s'appuie sur son expérience. Il est encore là, présent dans les duels. Encore aujourd'hui, il a fait un grand match. Voilà, c'est... Tant dans la vie que sur le terrain, on s'entend super bien. C'est comme mon frère, donc tout se passe bien avec Raouf. Ok, bah,